father. And this is your mother. Yeah. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Secrets du Son pour cette nouvelle vidéo qui était vachement attendue, de fait même trop attendue, puisque j'ai dû l'attendre presque 2 mois pour pouvoir la faire, la vidéo sur la marque Mother Audio, comme vous l'avez bien compris dans la vidéo qui ouvre donc cette review. Donc l'EQ Vivid, puisque c'est le nom de l'EQ, de la marque Mother. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec ma voix complètement déchirée, je vous rappelle de continuer à soutenir la chaîne en lui mettant un petit pouce bleu, en vous y abonnant, en commentant en bas dans les vidéos. Vous avez qu'à par exemple commenter mon intro avec mon fils de 5 ans, de 5 ans et demi qui fait Dark Vador et moi qui fais un très mauvais acteur. J'aurais pas un Oscar pour cette intro, c'est certain. Voilà, donc vous mettez les commentaires en bas et pour ceux qui veulent me contacter pour que je mixe leurs projets, leurs albums, leurs best-of, ce qu'ils veulent, ben vous avez ici mon lien Instagram, vous pouvez me contacter, je réponds systématiquement à toutes et à tous. Voilà, alors maintenant, après avoir patienté, parce que quand même cette vidéo, elle aurait dû être faite il y a plus d'un mois, mais les services postaux locaux m'ont perdu les EQ donc, que j'ai reçus donc, de chez Mother Audio, qui est une marque qui vient de Serbie, et donc il a fallu que je bataille de façon délirante pendant donc, 1 mois et demi pour pouvoir les recevoir. Donc c'est parti pour info le 12 avril de Serbie, donc de la marque Mother Audio qui se trouve donc en Serbie. Il a fallu 2 mois et 3 semaines pour que j'arrive à les retrouver et les récupérer. Voilà, donc maintenant sans plus attendre, on va voir à quoi on a affaire et on va tester ça donc en direct. Voilà, après cette petite intro, maintenant, se pose sur, enfin sur la machine. Donc, vous voyez les modules ici présents. Donc, ce sont ces 2 petits EQ que vous voyez ici. Donc, quand même, petites infos sur la marque Mother Audio. Donc, c'est une marque qui vient, je l'ai déjà dit, de Serbie. Pour l'instant, en catalogue, il y a 2 petites machines. Donc, qui sont les Vivid et un autre modèle qui s'appelle le Y. Donc, ce sont 2 EQ. Vous l'avez bien compris, vous voyez ici. Donc, vous avez ici l'EQ Vivid qui est clairement inspiré donc du circuit Chandler, du circuit EMI. Ça reprend d'ailleurs les boutons, hein, ça se voit. C'est à peu près l'idée. Et l'autre modèle de chez Mother Audio, c'est basé sur le circuit de chez Siemens. J'ai découvert ça. Peut-être qu'à l'occasion, on aura aussi l'autre EQ en test ici. On verra, on n'y est pas encore. On va commencer avec ça. Ça a pris suffisamment de temps pour les recevoir. Donc, grosso modo, la machine, c'est extrêmement simple. Vous avez un EQ, 3 bandes, donc les aigus, les médiums et le bas. On va d'abord parler de l'EQ, le haut et le bas. Donc, ce sont des EQ en shelve, ici à 150 Hz et ici à partir de 8 kHz. Et donc, vous avez ici, sur le bas et le haut, un mode sub et ici un mode air qui remplace le shelve et le transforme en mode bell. Ici à 60 Hz, donc vous avez ici la possibilité de mettre plus ou moins, encore une fois, à 60 Hz. Et pour le mode Hz, c'est à 20 kHz. Donc vous avez ici le médium qui est, on va dire, semi-paramétrique, dans le sens où vous pouvez ici, via ce bouton, sélectionner la bande, la fréquence sur laquelle vous allez travailler. Donc vous avez 300, 720, 1,5 kHz, 2,6, 4 kHz et 6 kHz. Et pour finir, vous avez ici un bouton avec un high pass filter, donc qui en fait qui est affiché à 40 Hz, donc c'est moins 6 dB à 40 Hz, et en fait c'est moins 3 dB à 70 Hz. Donc ça vous donne à peu près l'idée de la bande. Donc si par exemple vous gonflez beaucoup, mais vous avez trop vraiment de sub, donc vous pouvez activer ici. Et pour finir, tout ce qu'il y a de plus simple, un mode, donc une activation, et je tiens à préciser, parce que pas tous les modules ont ça, le bypass ici est un true bypass, ça veut dire que quand vous êtes désactivé, vous ne passez par aucun des circuits. Ça rentre, ça sort et il ne se passe absolument rien du tout. Voilà donc pour grosso modo l'EQ et les paramètres, ce qu'on peut appliquer donc, au travail. Ça reste quand même extrêmement simple, 3 bandes, donc haut, médium, bas, le médium paramétrique, semi-paramétrique
Et les deux fameux modes, donc le R et le Sub. Et pour finir, donc le Bypass et le High Pass Filter. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Visuellement, les Q rendent très très bien. Je trouve que le design est vachement beau. Je considère que c'est pas l'élément le plus important, mais que ça reste un élément qui, pour moi, c'est agréable d'avoir un appareil qui visuellement jette. Hein. Faut bien dire ce qui est. Hein. Y a pas de honte à le dire. Donc quand c'est joli, on peut le signaler. Voilà. Bon, ben maintenant, une fois maintenant qu'on a parlé un peu de la théorie, on va passer à la pratique et on va prendre notre fameuse session habituelle et on va travailler. On va mettre ce petit joujou, ces deux petits joujous en application et comme j'en ai deux, on va pouvoir faire des monos et des stéréos. C'est parti. Alors, juste avant de rentrer dans le test, je tiens à préciser qu'il y aura évidemment entre la version bypassée et la version active une différence de niveau, mais c'est normal parce que quand vous mettez plus 10 dB dans une EQ ou plus 5, même plus 7, ben forcément, il va y avoir une légère différence de volume. C'est normal, j'aurais pu, l'idée m'avait traversé la tête en disant je vais normaliser les deux de façon à ce qu'on ait la même chose à peu près au niveau de l'écoute, mais de fait, je le fais pas parce que simplement, il faut que vous entendiez ce que l'EQ va vous apporter. Voilà, donc on est donc sur notre petite session habituelle. Donc ici, c'est la version non mixée. Donc, dans la version non mixée, on va travailler sur des pistes particulières. Donc, on va faire grosse caisse, caisse claire, on va les faire en même temps. On va faire aussi la basse, et puis on va faire quelques pistes stéréo. Donc, on va faire probablement le piano, les guitares acoustiques, et puis on fera un peu de tout, mais on les fera en mode un peu rapide. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je prendrai la version mixée, et on essaiera par exemple sur le bus batterie et sur le master. Voilà. Voilà, donc là, on a maintenant piste de grosse caisse et caisse claire. On va les mettre les deux en même temps. On va les ouvrir les deux en même temps. Donc, c'est la grosse caisse intérieure et la caisse claire top. Hein, évidemment, je ne vais pas passer toute la caisse claire dedans. Et on va en parallèle donc voir un peu ce qui se passe. Et on va un peu s'amuser avec donc les paramètres de la machine. Donc, c'est parti. Alors, vous remarquerez quelque chose qui est assez incroyable avec cette machine. Donc là, elle est pluguée directement en kick snare. Et j'ai beau pousser le truc au taquet, ça ne tord pas. Il n'y a pas de distorsion. Et ça reste vachement musical. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable avec cette machine. Alors, de fait, je ne la teste pas pour la première fois maintenant. Donc, vous pouvez y aller au taquet et la machine ne tord toujours pas. Et vous voyez que ça sonne extrêmement bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on pourrait s'amuser à faire ça, par exemple. Allez, on pourrait essayer sur des overheads de batterie. On pourrait rester un petit peu sur les batteries. Donc maintenant, overhead de batterie, je me suis remis à zéro. Et comme d'habitude, vous continuez à suivre à ce qui se passe sur l'écran.
Alors, sur les overheads, pareil, hein, ça fonctionne extrêmement bien et je peux en rajouter des tonnes. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Alors, la version sub ici fonctionne peut-être un petit peu moins bien parce que 60 Hz, c'est peut-être pas la fréquence que je... c'est pas forcément la fréquence que je cherche. Mais par exemple, je peux en mettre beaucoup, puis retirer en activant le filtre. Et à ce moment-là, ça me donne un peu plus de largeur et de grain dans le bas. Et vous voyez, les aigus, je les ai montés tout en haut. Alors, ça, quand vraiment je les ai poussés tout à fond, le tambourin qui a été de fait enregistré en même temps que la batterie sort vachement plus. Mais ça reste quand même musical. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et je retire comme d'habitude autour de 300, ce que j'appelle la fréquence bouteille. Hein, c'est ce qui donne un petit peu ce son un peu dégueulasse. On va le tester maintenant sur une basse. Alors, machine remise à zéro, on part sur de la basse maintenant. Pareil, hein, je l'active et puis on regarde ce qui se passe un petit peu. On joue avec la machine. Voilà, alors régulièrement il y a des petits clics, hein, c'est en fait il y a un loop, hein, et sur la basse ça fait ça systématiquement, ça fait toujours des petits pops, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voilà, donc sur la basse ça fonctionne très bien. Pour le coup, peut-être que j'aurais une petite bande de plus, ça aurait été agréable parce que en fait, par exemple, j'aime beaucoup, j'ai pas tendance dans la basse à monter beaucoup le 150, mais par contre plus le 300, qui est la fréquence vraiment où il y a le doigt qui joue sur la corde, et ça c'est une fréquence que j'aime beaucoup ajouter. Là, pour le coup, peut-être un 4 bandes aurait été plus sympa. Peut-être que l'autre modèle aurait été plus sympa. Mais encore une fois, ça fait le travail. Et j'étais assez agressif sur ce que je fais. Il n'y a pas eu de souci et ça marche très, très bien. Là où maintenant, ça m'intéresse, ça va être donc sur le piano. Donc cette fois-ci, piano stéréo en avant. Ah, sur le piano, c'est une merveille. Vous avez vu, encore une fois, hein, j'y vais comme un dingue, hein, y a pas de souci. C'est pas désagréable, c'est pas agressif à l'écoute, et ça reste propre, et ça reste et ça fait très bien le travail. Il n'y a pas de distorsion, il n'y a rien, c'est impeccable. J'ai découvert vraiment cette marque un peu par hasard, parce qu'en fait, quelqu'un qui a posté sur Facebook, et je les ai contactés, et c'était très cool. Et franchement, je suis surpris de la qualité de la machine, quoi. C'est balèze, en fait, hein, parce que encore une fois, on peut y aller comme un dingue, il n'y a pas de distorsion, et c'est pas désagréable. Allez, on se le met sur une guitare électrique, on se le teste donc sur une guitare électrique, on va dire, c'est clean, avec tout petit peu de distorsion dessus.
voyez, ça fonctionne extrêmement bien, il n'y a vraiment pas le moindre problème. Je ne crois pas voir que la machine ne fonctionne pas sur un élément ou un autre. Hein. Pour l'instant, on l'a testé en direct sur un kick snare, sur une basse, on l'a mis en direct sur des overheads de batterie, piano, guitare. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà. Je ne veux pas faire une vidéo non plus qui va durer 400 ans. Donc je propose que pour les tests maintenant en direct, ça veut dire sur des pistes vraiment particulières, on arrête là. On va l'essayer maintenant sur un bus, sur deux bus différents. Dans un premier temps, on va l'essayer sur le bus batterie, donc avec une batterie cette fois-ci mixée. Et dans un deuxième temps, on va vraiment le mettre sur le master. Voilà, donc maintenant, je vais prendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le bus, la batterie en solo. Et on va mettre ça sur le bus, batterie, tout simplement. Là, pour le coup, vous voyez, le mode sub, il fonctionnait beaucoup mieux que le mode simplement shelve. Donc, en mettant l'EQ Bell à 60 Hz et en y allant comme un dingue, puisque alors là, on n'augmente pas vraiment le très très bas. Mais de fait, j'aurais pu aussi activer, monter ça comme un dingue, et puis simplement activer le high pass filter, et ça aurait aussi très bien fonctionné. Mais de fait, je trouvais que pour le coup, le mode sub, justement, donnait quelque chose en plus à la batterie. Voilà, alors là maintenant on revient au mix complet, donc cette fois-ci ce qui se passe, je tiens à le préciser quand même parce que vous ne vous dites pas que la review elle est faussée, donc cette fois-ci le mix passe donc dans le sommateur, rentre une fois qu'il sort du sommateur, il passe à travers un bus comp type SSL et ensuite il passe dans les QVV, donc c'est compression puis égalisation, un peu dans le type on va dire un peu mastering. Et évidemment, il n'y a rien après en interne dans le Pro Tools. Donc vraiment, c'est le mix à travers ces deux machines-là. Évidemment, celle-là, je la laisse activer tout le temps de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence, puisqu'elle fait partie du son du mix. Et on va travailler, comme jusqu'à maintenant, exclusivement sur l'égalisation. Et on va voir ce qu'on peut sortir de cette petite machine.
Voilà, donc sur un Bussmaster, c'est sans appel, hein, et encore une fois, on travaille que sur un type de musique. Je vous laisse, pour ceux qui sont intéressés à écouter ça sur différentes sur différents types de musique, à aller sur la page YouTube de Floating Point Audio, où ils ont fait un test juste sur des masters, avec plus de la musique électro, etc. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir les machines. Voilà donc pour les Mother Audio Vivid. Vous avez vu quand même qu'on l'a testé vraiment sur plusieurs configurations différentes, dans le sens où on a été sur des pistes particulières, puis on a été sur des bus. Et quel que soit, encore une fois, hein, avec parcimonie, mais quel que soit avec la configuration, le paramétrage de la machine, il n'y a pas de souci, ça reste musical, ça ne tord pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire du réglage très fin, limite même, vous pouvez l'utiliser en mastering, avec donc pour le coup des réglages fins, et vous pouvez l'utiliser, donc, comme on l'a fait ici, sur des bus ou sur des pistes, avec des réglages beaucoup plus violents, ça reste très très musical. J'ai été vraiment très surpris par, par cette découverte, hein. Je ne connaissais pas cette marque, je suis tombé dessus parce que j'ai vu un pote qui en avait qui en a acheté, je crois même qu'il les a gagnés, qui en a gagné une ou une paire, ou enfin, je ne me rappelle plus, ou une de chaque machine, mais j'ai vu ça, je me suis intéressé à la marque, je me suis dit allez on va tester, et franchement, incroyable découverte, il n'y a pas de souci. Pour ceux que ça intéresse à avoir et à tester la machine, vous pouvez la tester et après vous décider de l'acheter, c'est chez Floating Point Audio à Paris. Vous allez vous contacter, vous les contacter. De ma part, si ça en plus, ça lui fera plaisir, ça fera plaisir à Ramin, si c'est avec Ramin que vous parlez. Vous lui dites que vous venez de la chaîne, que vous avez vu les EQ donc de chez Mother et que vous avez envie de les tester et que vous rêvez de les acheter. Je vous rassure, je ne gagne rien, absolument rien sur ça. Donc vous pouvez y aller, ils sont à 672 € pièce, ce qui est quand même pas excessif pour une machine de cette qualité. Pour 672 €, je suis intéressé de savoir ce que vous allez me trouver à ce niveau-là, donc avec un rapport à qualité-prix aussi performant que celui-là. Voilà donc pour les Mother Audio Vivid avec la voix complètement cassée. Dites-moi ce que vous pensez du test de la machine, évidemment, dans les commentaires. La prochaine vidéo, je ne pense pas qu'elle sera... Cette semaine, elle va sortir donc plus tôt la vidéo, puisque en fait, elle sort plus tôt, mais en fait, très en retard par rapport à ce qui avait été prévu. Merci La Poste. Et la prochaine vidéo, on va... Puisque j'ai vu que ça les gens aiment bien ça, un peu mon historique, que ce soit personnel, professionnel. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de mon historique du matériel, puisqu'on a parlé du coût du matériel dans la vidéo précédente. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir vraiment, sur mes 20 ans de carrière, les différents matériels et appareils que j'ai utilisés, donc depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui avec le setup actuel. Allez, sur ce, on se voit à la prochaine. Allez, à plus !